La tendance oubliée, mais la saison passée, on était toujours sous les mesures sanitaires Covid jusqu'à pratiquement fin février. Et puis finalement, on a pu vraiment vivre la première saison normale à la BCF Arena. Bah, moi, j'ai dit aussi, c'est une saison record. On a 20 matchs à guichet fermé, taux d'affluence de 99%, le meilleur de Suisse, probablement un des meilleurs d'Europe. C'est ça, le retour à la vie normale. Tout le monde peut vivre des émotions à la BCF Arena sans limitation au niveau des différents pass sanitaires. Oui, en partie, comme j'ai dit, nous avons pu déjà atteindre le budget qui était fixé au début de saison. C'est grâce absolument à les 5 500 abonnés et les 600 partenaires et la taux d'affluence. C'est 3 facteurs qui nous ont aidé à compenser ce manque à gagner de matchs qu'on n'a pas pu faire en play-off ou pré-play-off. Non, on va toujours établir notre budget sur 28 matchs. C'est la barre minimum pour nous qu'on doit se mettre, c'est fixer les quarts de finale et on ne va pas changer ça. Oh, c'est un travail d'équipe, hein. Ils sont passés dans différentes positions. Maintenant, voilà, on est tous déçus de la fin de saison. On sait aussi que c'est une ligue très compétitive cette année avec les changements qu'il y a, les 6 étrangers, tout le monde bat tout le monde. C'est une ligue compétitive. Et puis, on savait qu'en pré-playoff, ça aurait été dangereux. C'est pour ça qu'on a été fixé l'objectif d'arriver dans les premières 6, objectif qu'on n'a pas atteint. Et puis, voilà, une équipe comme Lugano, c'est une équipe qu'au début de saison, on voyait plutôt dans le haut du tableau. Voilà, c'est vraiment pas simple. À niveau sportif, il y a beaucoup de compétitivité. Mais on va continuer à travailler tous ensemble pour améliorer, comme on le fait déjà tous les jours. Et puis la semaine prochaine, on va revenir tous plus fort, tous ensemble. Mais pour l'instant, voilà, on est encore dans la phase de débriefing, d'abord avec les joueurs, le staff. Et puis après, dans la phase d'analyse. Après, on verra si des éventuelles mesures doivent être prises, on les communiquera par la suite.